USB que je viens de faire en 1h20. Il fallait 10 heures. 10 heures de trajet à Victor de Sessol en 1897. La solita strada bianca come sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. En février, il y avait la neige. Il n'y avait en fait personne à part nous deux, quoi. Mais là, c'est un. On va dire, c'est un. Je suis dans donc le vallon des Mille Fonds, hein, qui est fréquenté par les randonneurs. Hein. Pour la journée la plupart, parce qu'ils ont un sac à casse-dalle, quoi, c'est tout. Donc une rando en solo, mais en tout cas, premier tronçon, je ne serai pas tout seul sur la piste. Ouais, les gens me prennent un peu pour un fou. Forcément, j'ai un énorme sac qui me suit derrière moi là. Disons que moi je pars pour 2-3 jours, hein, je sais pas, un ou deux bivouacs, on verra. Donc c'est pas le même concept, quoi. Je pars pas juste la journée, je pars. Enfin je pars, quoi. Quand je pars, je pars. Et... c'est non. Voilà. Arrivé au premier col que j'ai dû perdre, je sais pas, 2 litres d'eau. Ouais. Par rapport à février, pas pareil. Consommation d'eau, c'est beaucoup plus. Ouf. Ouais. Bon, alors tout là-bas. Endroit où j'avais squatté avec Dobson en février. Voilà, je suis arrivé à mon premier col. Comme vous voyez, il est assez fréquenté, quoi. C'est un endroit plutôt touristique, quoi. Ouais, là je suis rentrer dans... nous sommes dans le Mercantour. Toujours vautré la cabane. Bon. Je vais faire une petite pause là, ici, là, c'est bon.
derrière ça. Ce qui fait que... La chance que le ciel soit un peu couvert. Ça limite un peu les... la chaleur de fou qui fait... qui faisait flipper Dobson. Voilà donc un visuel sur le vallon des mille fonds qui est très prisé par et les vacanciers, les touristes, les randonneurs. Faut voir que c'est... Je me suis fait repérer. Tout à l'heure j'étais pas loin de ce trou là. J'aurais pu aller jeter un coup d'œil quoi, mais c'est maintenant que je le vois. Voilà. Je suis sur la dernière portion pour arriver au col du Barm. Pas vraiment de difficulté en fait hein. Ça va quoi, ça monte mais tranquillou quoi, c'est pas dénivelé plus quoi, c'est le truc qui arrache les cuisses quoi. Là ça va, c'est cool. Donc je vais descendre dans l'autre vallon, celui donc qui est devant moi là, le vallon du Barm. Il y a donc une petite source qui sort de la terre là et qui fait son chemin vers en bas. Et ça commence là, ici, en amont. D'ailleurs j'ai goûté cette eau parce que...
là par... Je descends et je vais rejoindre le vallon de la Molière. Oui, que fais-tu? Je mets mon pull. Promenons-nous dans les bois pendant que... Force de me l'imaginer. C'est dingue ça. Je l'imagine partout. Paysages magnifiques partout. À droite, à gauche, c'est rien. Ils ont prévu un risque d'orage pour cet après-midi. Et je sens qu'il va y avoir droit, je ne sais pas pourquoi. Un pressentiment comme ça. Je ne créerai pas de surf ici. On peut voir l'eau fraîche, désaltérante, qui sort à peine de la source. J'ai envie de m'allonger là. On va taper une sieste là. Petit casse-dalle là, manger, et puis bien là, pour rincer tout ça, une petite pelouse bien fraîche. Là. Depuis tout à l'heure, là, c'est mon paysage principal. Là. Devant moi, là. Je suis par là, là. Donc, je descends, continue à descendre et je vais arriver à ici, là, à la vacherie. Bon. Là, je commence à percevoir le fond de vallée. De la Molière,
Enfin arrivé dans le vallon de la Molière. Et vu la descente que je me suis tapé là, je m'inquiète un peu pour demain là, parce que putain, je prends chier ma race demain, c'est clair. Voilà, au moins je le sais. Voilà. Il n'y a pas de doute. Bon. Bon alors ici, ce qui paraît, s'il y a un loup qui vous traverse devant la piste, là, voilà, c'est normal. Hein, nous sommes dans le vallon de la Molière. Et alors comme vous pouvez voir, il y a une route hein, qui est ouverte. Elle est ouverte. Du 15 mai au 15 octobre. Non. Parce qu'après elle est fermée à cause de l'hiver, parce qu'il y a la neige, hein. On est quand même dans les 2000 et quelques mètres d'altitude. Donc en passant par le col de Salaise, pour ceux qui connaissent, eh ben, on peut accéder, arriver jusqu'au village de la Molière par cette piste. Enfin, sous les conseils d'un ancien là que j'ai croisé là, oui, il est du village, il m'a dit de pour monter ma tente. Le mieux c'est que je mette par là. Parce qu'attention, je suis dans le Mercantour là. Il ne faut pas que je me fasse choper en train de faire un feu, tout ça. Ce village avait été entièrement incendié en septembre 1944 par les Allemands
en déroute à la suite du débarquement de Provence. C'est en 1947 qu'il est cédé à la France. Molière fut alors rebâti en partie et une piste le relia à Saint-Martin-Vésubie en 1964. Que ça se calme là. Il y a les éclairs et le tonnerre. Qui pisse quoi. D'ailleurs c'est des vaches quoi, j'entends là. Les cloches. J'avais peur qu'il déborde là parce que. Ça va. Ah putain, ça fait du bien quand ça finit, hein. Parce que c'est pas marrant. Un bivouac sur du corps de dos, c'est pas très marrant, je vous le dis. Vous aviez un doute. Le doute. Écoute un peu mes mots. T'en vas pas petite, toutes mes forces me quittent. J'ai jamais voulu te voler ni t'arracher les rayons, les larmes et les chaînes de tout ce que t'as fait. Liberté. Ça réchauffe tout l'intérieur. Donc ça s'est passé ici, hein, dans le vallon de la Molière, hein, à 1900 mètres d'altitude. Sur une crête, j'aperçois un grand canidé assis qui prend le soleil. Panier, un petit sandwich. Santé. Ah putain, j'avais acheté ça aussi. Je vais me faire une grillade. Forcément, ça va faire de la fumée. Ça va faire de la fumée bien blanche, quoi. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je peux mener ma vie là. Je vous écoute, mon fils. À la vôtre. Ouais, comme quoi il est encore habité. Bon, on va dire que c'est surtout une résidence secondaire, hein, parce que en période creuse, enfin en hiver,
n'y a personne, quoi. Celui-là est sur la photo en 1898. La photo prise par Victor de Sessol. En 1915, les Italiens sont rentrés dans la Première Guerre mondiale à leur tour. Et donc, voilà. Des hommes sont partis parce que le tocsin a sonné là-haut. Là-haut aussi, le tocsin sonnait. Comme m'a dit mon ami Salvatore, c'était surtout les montagnards qui devenaient, pendant la Première Guerre mondiale, des Alpis, qui correspondent aux chasseurs alpins de chez nous. Ceux qui étaient natifs près des montagnes, ils étaient mobilisés dans les chasseurs alpins directs, d'office. Ouais, parce que bon, pour la montagne, il valait mieux des mecs nés dans la montagne, c'est sûr. Je confirme que c'est pas con comme idée, en fait, quoi. Et demain, normalement, mon chemin, il est là-dedans, quoi. J'ai discuté avec un qui est d'ici, quoi. Il m'a dit que c'était hard, hein. Il valait mieux que je reparte par le vallon de Barne. Parce que ce qui paraît là, pour rejoindre le vallon des Mille Fonds, enfin, d'après ce qu'il m'a dit, mais d'après ma carte, je vais en chier ma race, quelque chose de grave, quoi. Aussi que ça a été brûlé en 44. Les Allemands, ils ont fait évacuer le village. Ils ont tout brûlé parce que c'était. Ils avaient peur que ce soit un repère de résistants. Je sais pas, il y a un panneau d'exposition. Alors, je vais voir. Des photos de l'époque. Merde. Elle filait. Je sais pas. On dirait qu'elle filait du coton ou alors du chanvre. Hein. Sur la... Ah, mais ça, elle est bien parce qu'on voit Victor de Sessol. C'est Victor de Sessol, ça, il me semble. Et là, bon, c'est des chamois. On passait à la casserole. Je prendrai un couteau d'acier et j'irai dans la forêt. Le jour, la nuit, sans m'arrêter. Alors, ce qui est bien là, c'est que ça me fait une ouverture.
Comme ça, j'ai visuel sur ce qui se passe dehors. Puis aussi, ça fait une aération. Voilà. Parce que des fois, il y a un bruit, puis on est dedans. Et puis, c'est chier, quoi. Parce qu'une fois qu'on est dans le couchage, il faut sortir, il faut éclairer. Puis le bestiau, c'est pas sûr qu'il va rester, va vous attendre. Hein. Bref, on entend, mais on n'y voit rien. Quoi. C'est ça, on bivouaque, hein, c'est le problème. Ça. Il y a des copains qui se baladent. Avoir un bon copain. Et ouais, parce que voilà, ça, il y a on va rentrer dans la petite tente, c'est une autre place. Quoi. Le royaume de Sardaigne a cédé à la France, la Savoie et le comté de Nice. En compensation du sang français versé à Magenta et Solferino. Bataille de Magenta, 4 juin 1859. La bataille de Solferino. Selon les accords, la France doit aider le royaume de Sardaigne en cas d'attaque autrichienne. La cession de Nice et de la Savoie sera le prix de l'aide française. Ce livre rappelle utilement que les têtes de plusieurs milliers de bûcherons, de femmes et d'enfants reposent au fond de nos cimetières après avoir été dévoré par les loups. Il avait 27 ans, 1m80, blond, les yeux verts. Il y a une polémique en ce moment avec lui. A disparu le 6 août 2011 lors d'une marche matinale entre deux refuges du Mercantour. On a retrouvé sa tête et deux ossements le 11 janvier 2012. Certains ont une suspicion. Un gars jeune, physiquement apte, moralement formé pour la montagne. Qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi? Et certains commencent à accuser le loup. Alors, faire une mauvaise rencontre. Carthaginois qui défendaient la ville furent attaqués par 3 légions romaines. Les Carthaginois étaient fiers et braves, mais ils durent céder. Ils furent massacrés. Les femmes arabes les dépouillèrent de leurs tuniques et de leurs lances. Les soldats gisaient nus au soleil. Il y a 2000 ans, j'y étais. Bon, il est 8 heures passées, on est parti pour la phase en chier ma race. Ça a monté. On finira.
être info. Il n'y a pas de repère jaune là, comme dans d'autres GR, tout ça. Enfin, c'est pas balisé. Alors j'espère que le chemin ça va, posera pas de soucis. Quoi. De toute façon, il faut monter. Quoi. Il faut monter. Il faut monter jusqu'à la mort. Quoi. Festival, on croise pas mal de randonneurs, mais celui-là, je crois que, à mon avis, ouais, c'est ça qui est bien en fait. Une sensation d'être seul au monde, quoi. Une petite pause ici. Ouais. Donc, moi j'ai fait une pause pour récupérer les ravitaillements. Complètement de flotte avec ce système-là. Je repère des tanières de loups. Il y en a partout. Ouais, on fait des films, évidemment, mais... Ce matin, je suis remonté par là. J'ai passé cette prairie. Il me semble que... Il doit être par là. Et il me reste tout seul. Pour arriver... Enfin au col Ferrière.
ancien de la Molière. Oui, attention, il y a les loups là. Hein, donc du coup, ben, je vois des loups partout. Quoi. Hein. Nous y es-tu ? Mais, oui. Mais c'est pas ça là. M'entends-tu ? Il y en a partout. Oui. Que fais-tu ? C'est truffé de cache. Où y es-tu ? Oui. M'entends-tu ? Oui. Que fais-tu ? Ta gueule ! Ça là encore, il y a des caches de partout. Après, ben ça grossit, ça devient de plus en plus gros. Pourquoi c'est bien d'avoir des manches. Soleil en altitude, hein, je suis dans les 2000 mètres. Hein. Après, c'est même bien d'avoir la manche qui descend jusque là. Hein. Petit conseil. Quoi. Parce que les UV ici... plus on monte et plus ça craint quoi les UV quoi. Donc voilà, ici se protéger les parties qui sont exposées. Alors les mains sont toujours dehors, hein, évidemment, puis elles morflent quoi. Le nez aussi. Pour en revenir à protection solaire, je suis également badigeonné un peu la nuque, bien que j'ai un col. J'ai aussi un chapeau qui me protège tout le pourtour du visage, mais aussi qui me protège les oreilles. Parce que figurez-vous que les oreilles, eh ben, c'est de la peau aussi. Hein. Et y a pas mal. Y a quelques anciens qui on doit leur couper une oreille parce que voilà, y a un cancer à cause de la peau, du soleil. Donc il faut penser à se protéger aussi les oreilles, hein, le lobe des oreilles là. Ça crame aussi ça. Alors la casquette, ouais bon, c'est une visière, mais ça protège que un coin quoi. C'est le problème. Alors il vaut mieux avoir voilà, un mini parasol comme moi autour sur la tête. Voilà, ce sera mon conseil du jour. Voilà, donc c'est reparti. Ça monte dru là. Hein. Ça. C'est un dénivelé qui devient plus. Donc, début en fait, hein. En fait c'est moi qui deviens moins force. Alors là je suis assez content parce que on dirait qu'il y a une portion qui monte pas, oui. Alors ça va, ça fait du bien en moi. Après,
c'est comme ça, ça va quoi. Hein. Là-bas quoi hein. Quand même et oui quand même ouais, donc je vois là-bas le chemin là-bas. Mon chemin sera toujours la piste. Profitons de ce petit moment, petit sentier agréable, tranquille, ombragé, avant de se retrouver en plein cagnard à monter, espérant arriver au col. Pour l'instant, putain même, je paye même une descente là. Alors là, ouais, c'est... là je descends là. C'est depuis que je suis parti, là, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est un vallon magnifique, un vallon à faire quoi. Le seul avantage pour moi c'est les traces quoi, la neige. Hein. Sinon je m'en passe bien. C'est quand même plus sympa la nature comme ça quoi. Toute verte. Ouais. Et en plus on se pèle pas le cul quoi. Hein. Je rentre à peine mon caméscope que je le ressors. Et parce que je suis quand même assez émerveillé partout par ces paysages quoi. J'ai transpiré, hein, putain. Et moi, c'est un sacré tronçon, hein, je te le dis. Un peu décalé en fait de la piste, il me semble. Ouais, petite montagne. À l'époque, il y a un orage. J'arrive vers le col parce que... Après avoir vu trois bonnes gorgées d'eau, il s'allongea dans l'herbe verte
Et en plus, il y a un rapace qui me survole là-haut. Là. Putain. Je sais pas si on va pouvoir le voir parce que moi. Enfin, je suis content. J'avais marre de dénivelé positif là. Ça m'a un peu saoulé là. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu du cul parce que là-haut, le soleil était souvent caché par un nuage. Ce qui a fait que je me suis pas déshydraté à mort quoi. Parce que c'est sûr qu'en plein cagnard. C'est une autre histoire. Tout à l'heure, j'ai surpris un ragondin de montagne dans une marmotte, quoi. Il est parti en sifflant, mais tout près, quoi. Avec son gros cul, là, il est parti siffler là. Il a eu peur de moi. J'ai pas pu le filmer, il est parti en courant. Voilà. Hey, quelqu'un ? Non, il n'y a personne.
Ouais, enfin, je sais qu'elle est là, je l'ai vue. Le lac Petit. Qui me vient là, mais le prochain rando et bivouac, je compte le faire en Hollande. Ouais. Ça a l'air d'être une idée pas mal, ça. La Hollande. Le plat pays qui est le mien. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Que se passe-t-il ? La bête a encore tué dans le bois du Pradet. Attendez d'avoir vu l'état des victimes, vous comprendrez mieux après ça.